numérique. La troupe de Drummondville porte son chandail rouge, casque noir, les Tigres, chandail blanc vers la ligne bleue. Position tireur, lance, raplacible, Aaron Mercer, Rondel qui était bondissant. Refusé. Enberry dans l'enclave, belle passe, le tir, quel Aaron Mercer! Il vient de être immobile dans le coin, passe pour Baudry, ensuite à Gendron qui accélère à droite. Mauvais jeu, il visait Gauthier, mais ce dernier allait changer. Bourque, lancé contre! De l'enclave, Bourque fait bouger les cordages et les Tigres marquent les premiers. Très gros revirement, Simon. Alors qu'on était en processus d'effectuer des changements, on va les voler. Pour Reinhardt au centre pour Oliver, tire, arrêt! Et Darveau n'avait pas bien vu le retour, mais Landry frappé par Bourque. Bourque pour Gagnon, tire, arrêt du bouclier de Mercer. Excellent match jusqu'à maintenant du quatrième trio des Tigres. Gagnon, Bourque et Simard. De l'enclave, tir de Huchette pendant ce temps. C'est bloqué pour Gendron. Ça mène avec Komarov qui s'en va au filet. Gendron tire, arrêt, retour. Et c'est Komarov qui ne peut s'en emparer. Gendron prend la rondelle et entre hors l'aile. Gendron devant pour Huchette. Le tir, arrêt de Darveau. Godin, ce dernier pousse, mais c'est intercepté par Cormier. Enberry la laisse passer, s'avance, un tir, arrêt! Oh. Brunet. Ligne bleue, à Gendron, tire, arrêt Darveau! Une première période. On va entendre Karl Malette se plaindre, Simon, que les tirs ne s'en vont pas du bon côté en point de presse. Oui, il avait critiqué un peu les statisticiens ici, alors que Huchette s'amène, le tir à la main! Mikaël Huchette! Quel travail Mikaël Huchette depuis le début de la rencontre! Il est partout, Simon! Et on voit cette séquence où l'attaquant des Voltigeurs entre en territoire adverse, déborde son couvreur et vient ouvrir cette lucarne devant le gardien Nathan Darveau, le bas entre les jambes. Passe à gauche pour Woodward. 3 contre 2. Woodward, transversal pour Côté. Son tir à l'arrêt du bouclier. A bien failli pousser cette rondelle derrière Mercer. Attention, un tir de la rose, arrêt et pas de retour. Un petit peu croisé, Simon. Belle opportunité de Woodward, mais on a patienté. Attention, Gurianov, son tir. Quelle arène, période à prévoir. De l'enclave, Roy, tire et belle arène Mercer. On pourra atteindre d'autres plateaux importants. Attention, Gurianov, de l'enclave, son tir est bloqué. Et ensuite, c'est une belle arrêt utilisé à outrance et effectue du très bon travail. Attention, Enberry, un tir, arrêt, et pas de fond de territoire, passe pour Huchette. Huchette va s'avancer, passe pour Gendron sur réception, arrêt de la mi-temps. Passe au centre vers la ligne, et ensuite à Cormier, coupe vers le centre. Cormier se fait soutirer la rondelle, mais Pellerin il va la récupérer. Attention, Vigneault s'avance au cercle, une feinte, le tir à la but. Et j'en parlais tantôt, le défenseur Benjamin Vigneault qui marque avec moins de 13 minutes à jouer en troisième pour redonner les dents aux Tigres. Excellent jeu de la part de Vigneault, qui a profité. Baudry, le défenseur s'amène, passe à Huchette, devant pour Côté, son tir est bloqué. Bon du centre et ça fait en sorte que les Tigres vont sortir et s'amener en surnombre à 2 contre 1. Enberry, patient, une passe à Red Mercer. C'est Oliver là, qui a pris la place du gardien. Komarov, son tir est là-bas! C'est Vélade! Komarov! C'est 2-2! Mais Guillaume, attention, est-ce que la rondelle a touché à Alexis Gendron devant le filet? Peut-être. Mais chose certaine, les Voltigeurs qui est l'égalité. Et Simon, quand on dit aux jeunes hockeyeurs que la base est importante, ce but en est la preuve. Simon, oui. Et tu l'avais dit, pour un deuxième match de suite, la rencontre va se décider en surtemps. Votre appareil radio au numérique pour cette première période de prolongation. Baudry rejette en fond de territoire. La vigne va récupérer. Huchette tire de loin là-bas! Dès la 11e seconde de la prolongation, les Voltigeurs marquent. Direction la grande finale! Et Mikaël Huchette, le héros de cette soirée avec un tir de tendance anodin qui vient battre Nathan Darveau. Simon! Quel scénario! J'ai hâte de voir la reprise, puisque est-ce que le tir de Huchette a dévié devant au passage? Probablement. On va tenter de voir à la reprise. On voit que Côté termine sa mise en les deux entraîneurs sur la page Facebook des Voltigeurs. En mon nom, Simon La Liberté, celui de mon collègue Guillaume Lemieux-Noël qui est maintenant au niveau de la patinoire et de toute l'organisation des Voltigeurs. On vous remercie d'avoir été avec nous en très, très grand nombre ce soir et surveillez les actualités de la Ligue et des Voltigeurs pour connaître le calendrier officiel de la grande finale, de même que la date de mise en vente des précieux billets